Parce que d'abord, il y avait une école de commerce de province à Cergy-Pontoise qui avait créé des martyrs. Et donc nous, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas des grands débats et que nous, en plein cœur de Paris, on avait beaucoup d'amitié pour cette belle école, mais on pensait que dans Paris, avec toutes les universités, avec le monde étudiant parisien, c'était le lieu du grand débat et on faisait des débats très populaires avec beaucoup de gens sur des sujets assez provocateurs. L'humour est-il de gauche? La logique est-elle révolutionnaire? Des débats qui étaient en fait assez subversifs. C'est une superbe école de management. Parce qu'au fond, on a besoin de l'expression. Et on ne dirige pas une équipe, on ne bâtit pas une dynamique, on ne suit pas un projet si on n'est pas une capacité d'expression, expression personnelle, expression collective. Et au fond, toutes les formes d'expression. Or, le débat, l'expression publique, c'est au fond un levier formidable de management.